Verset 37 à 39. Alléluia. Amen. So he that believeth on me, as the scriptures have said, out of his belly shall flow rivers of living water. Celui qui croit en moi, de son sein coulera une source d'eau vive. And he said he was talking about the Spirit of God. Et il dit qu'il parlait du Saint-Esprit. So flowing water is the Spirit of God. Donc l'eau qui coule, c'est le Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. 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 So let's get back to Numbers. Donc revenons à Nombre. Chapter 21. Nombre chapitre 21. And it says here, sing to it. Et il dit ici, chantez en son honneur. First of all, two sets of people were digging and singing. Premièrement, il y a deux catégories de personnes qui étaient en train de creuser et qui chantaient. The princes were digging. Les princes étaient en train de creuser. Now remember, the whole of Israel were singing to the well. Rappelez-vous, tout Israël, tout le peuple d'Israël chantait au. But when it comes to the matter of digging, chantait au puits. It was not the whole Israel that was digging. Mais quand il s'agissait de creuser, ce n'était pas tout Israël qui creusait. It was the princes, number one. C'était seulement les princes en premier lieu. Those who have come to the full knowledge of their calling in Christ Jesus to be leaders and ministries in the house. Ceux qui sont arrivés à la connaissance parfaite de leur appel et qui sont des leaders dans la maison de Dieu. They are called the princes. Ils sont appelés les princes. The head of the houses. La tête de la maison. The leaders in the house. Les leaders dans la maison. Hallelujah. Amen. Amen. The second set of people. La deuxième catégorie de personnes. Are the nobles. Étaient les nobles. Now the nobles are the people who volunteer. Les nobles c'est les gens qui se donnent de façon volontaire. Free will. Volontairement, they decide, I am going to do this from the depths of my heart. Ils disent, je vais faire cela du fond de mon cœur. I will explain to us what this means very shortly. Je vais vous expliquer qu'est-ce que cela veut dire très prochainement. Hallelujah. Amen. Let us look first of all at singing to the well. Regardons d'abord à chanter au puits. Remember that well is in your belly right now. Rappelez-vous que ce puits en fait est dans votre sein maintenant. Touch your belly and say this with me. Touche ton sein et ton sein et dis. And say the well of the Lord. Dis la source de l'Éternel. Is inside my belly. Est dans mon sein. And out of his belly. Et de ce sein shall flow. Couleront the rivers. Couleront des sources d'eau. Of the Holy Spirit. Du Saint-Esprit. Amen. 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 Now learn to say to yourself every morning when you wake up, touch your belly. Chaque matin, quand tu te réveilles, il faut le dire à toi. The well of the Lord is inside my belly. Dis la source de Dieu se trouve dans mon sein. Now out of my belly shall flow rivers of living water. Et de mon sein couleront des sources d'eau vive. If you say that all the time, you never have constipation. Si tu le dis tout le temps, tu n'auras jamais de constipation. Amen. Amen. Because instead of constipation, it will be rivers of living water flowing. And then you see, the rivers of living water flows through the mouth. Et vous verrez, au lieu de la constipation, vous verrez que c'est des sources d'eau vive qui vont couler et ça coule. Voyez, ça coule par la bouche. It flows by words and ministry. Ça coule par la bouche et par la prédication. Constipation flows throughout the other way. La constipation sort de l'autre côté. We don't want that one. Nous ne voulons pas cela. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Out of my belly shall flow rivers of living water. De mon sein couleront des sources d'eau vive. The river of the Holy Ghost. De l'eau vive du Saint-Esprit. How do I get my well that is already there now? Comment je trouve mon puits qui est déjà là maintenant? How many of us are born again? Combien parmi vous sont nés de nouveau? Raise your hand, let me see.
You have the well of God inside you. Vous avez le puits de Dieu en vous maintenant. Amen. Colossians chapter 1 verse 30. Read it. Colossiens 1 verset 13. Je lis. Hallelujah. Colossians chapter 1 verse 30. Colossiens 1 verset 13. Thank you, Lord. Et je lis. Have you seen it? Verse 13. 30. Colossiens 1, verset 30. You should say Christ in you, the hope of glory. If it doesn't, then look for another one or 27. Is it 29? Yes, read verse 29. Colossiens 1. Yes, verse 29. No, c'est pas ça. Verset 29. Colossiens chapitre 1, verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant. C'est ça, avec ça. Avec sa force qui agit puissamment en moi. Christ in you, the hope of glory. Verset 27. Ok. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. 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 Christ in you, the hope of glory. That is the well. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça, c'est le puits. The well is inside you. Le puits est en toi. It is your hope of entering into the glories of God. C'est ton espérance d'entrer dans le royaume, dans la gloire de Dieu. And all the experiences promised you in the Bible. Et de toutes les expériences ou les promesses qui ont été faites dans la Bible. But for that well to begin to lead you into victories. Mais pour que ce puits puisse te permettre d'entrer dans la victoire. It must begin to flow. Il doit commencer à couler. And the way to make it flow is to sing. Et pour le faire couler, il faut chanter à soi. Numbers 21 verse 19 says, sing ye to it. Prophesy to your well every day. Numbers 21 verset 19 dit, when you wake up in the morning, quand tu te lèves le matin, instead of complaining, au lieu de te plaindre, instead of murmuring, au lieu de murmurer. Some of us, especially the women, the mothers amongst us. Plusieurs, surtout les femmes, les mères parmi nous. You wake up in the morning, what will the children eat? My husband have not eaten. I have to go to work. I have to wash clothes. I have not washed the plates. You are so full of so many things. Quand se réveille le matin, les enfants n'ont pas encore mangé. Mon mari n'a pas encore mangé. Je dois aller au marché. Je dois faire la vaisselle. Je dois faire la lessive. Plusieurs choses en même temps dans leur esprit. When you wake up in the morning, put all of that in one corner. Quand tu te lèves le matin, mets tout cela dans un coin. And sing to your well. Et chante à ton puits. And say, spring up, oh well. Et dis, monte au puits. Speak in tongues. Parle en d'autres langues. Pray in the spirit. Prie en esprit. Amen. Amen. And read psalms to yourself. Et lis les psaumes à toi-même. Sing psalms of praise to God. Chante les cantiques à Dieu. Hallelujah. When you are doing that, your well will be well enough and getting ready to flow. Quand tu le fais, tu verras que ton puits commencera à tourner et sera prêt à pouvoir couler. Anything you say that day when you go out, God will perform it. Tout ce que tu dis ce jour, lorsque tu sors de ta maison, Dieu va accomplir cela. Praise the name of the Lamb of God. Amen. Don't allow your well to just sit there. Ne permets pas à ton puits d'être juste assis là. That is not the reason God put the well there. Ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu a mis le puits là. The well must flow. Le puits doit couler. Amen. Amen. Today, after this ministration, we are going to pray for you. Aujourd'hui, après cette prédication, nous allons prier pour stay vous. On that well. Nous allons donc bouger ce and puits. Cause it to flow. Nous allons l'amener à couler. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hallelujah. Alléluia. Turn to the book of Isaiah 59, verse 21. Allons regarder dans le livre d'Isaïe 59. Isaiah 59. Isaïe 59. Verse 1. Verset 1. Verse 21.
Ésaïe 59, le verset 21. Plutôt, verset 21, je lis. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche Amen. Ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. 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 The word of the Lord must be in your mouth. La parole de l'Éternel doit être dans ta bouche. When we say sing, don't start singing worldly songs. Quand on dit chante, ne commence pas à chanter les chansons mondaines. Sing the word of God. Chante la parole de Dieu. Amen. Amen. When you sing the word of God, your well is stirred up and comes alive. Quand tu chantes la parole de Dieu, ton puits commence à se mouvementer et venir à la vie. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. Very important. Très important. Hallelujah. Amen. The well, you must sing to it. Le puits, tu dois chanter au puits. Psalm 107, verse 2. Psaume 107, verset 2. Amen. Psaume 107, verset 2. He's telling us what to sing. Il nous dit comment, qu'est-ce que nous devons chanter. Glory, hallelujah. Et je lis. Amen. Verset 2. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux... Je reprends le verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Amen. Amen. Let the redeemed of the Lord say so. Que les rachetés de l'Éternel disent ceci. If the word of the Lord says, God has saved you from a problem, say it. Ce que Dieu a fait, à t'a sauvé des problèmes, la parole de Dieu dit, il faut le raconter. Every promise God has given you is in that well, and the well is in your belly. Toutes les promesses que Dieu t'a données se trouvent dans ce puits, et le puits se trouve dans ton sein. And when you say it, the word inside is flowing out. Et quand tu le dis, la parole en toi, la parole qui est dans le sein, va donc sortir. And nothing can stand before flowing water. Et rien ne peut se tenir debout devant une eau qui coule. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Let the redeemed of the Lord say so. Que les rachetés de l'Éternel le disent. When you feel a pain in your waist. Quand tu sens une douleur au niveau de ta hanche. Don't say ouch. Don't say oh. I have pain in my waist. Oh, j'ai des douleurs dans ma hanche. Darling, give me ibuprofen. Père, papa, donne-moi de l'ibuprofen. Non. What does the word of God say from your belly, from your well? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à partir de ton puits? Jesus himself took. Jésus lui-même a pris. All my sicknesses and diseases. Il a pris toutes mes maladies et mes souffrances. With his stripes, I am healed. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Amen. 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 You sing it unto the Lord. Il faut le chanter à l'Éternel. And when you do that, that problem will listen to you. Et quand tu le fais, ce problème va t'entendre et t'écouter. No waste pain can stand before flowing waters. Aucune douleur ne peut se tenir debout devant une eau qui coule. If you can get your well to jaillir, that will be it. Si the problem goes with it. Si tu peux avoir ton puits qui jaillit, le problème va donc dégager de là. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. If the devil comes to you in the dream and does some bad things and you wake up in the morning, instead of waking up and holding your head and say, oh my God, why did that happen? Si le diable vient la nuit dans ton sommeil et te fait dans lequel tu as un rêve terrible, quand tu te réveilles le matin, ne dis pas oh, mais comment je vais faire cette affaire là? Go into your well. Va à ton puits. And say. Et dis. God has given Jesus a name. Dieu a donné à Jésus un nom. That is above every name. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. At the name of Jesus. Au nom de Jésus. I have the victory. J'ai la victoire. Every knee shall bow. Tout genou va fléchir. Every tongue confess. Toute langue va confesser. Jesus is Lord. Jésus est Seigneur. So Satan, your problems, Jesus is Lord over you. Satan, ton problème, Jésus est puissant au-dessus de toi. You can be alone in the room.
Tu pleures seul dans ta chambre. And you raise a song. Et tu sens que tu commences au à chanter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La victoire. Amen. Amen. And you begin to sing it. Et tu commences à chanter. The devil will run away. Le diable va fuir. Glory to God. Gloire à Dieu. God wants us to know the power of flowing water. Dieu veut que nous connaissions, nous sachions la puissance de l'eau qui coule. I told you how I went to Niagara Falls. Je vous ai dit comment je suis parti à Niagara. And I went to, that was in our last visit. I went to the turbines. Notre dernière visite, je suis allé au chute de Niagara. Je suis allé voir les turbines. I was shocked at the amount of power generated by flowing water. J'ai été choqué par la puissance du flot qui est généré par l'eau qui coule. They channel that water through pipes. Ils mettent cette eau à travers des tuyaux. And the pipes channel the water through huge, very mighty blades. Et les tuyaux envoient l'eau dans des grandes lamelles, dans des grandes lames. The power coming from it gives light to Canada. La puissance d'eau qui vient de là, donne de l'électricité au Canada. And even some parts of the US get light from Niagara Falls. Et donc même une partie des États-Unis reçoit de l'eau, de la lumière, de l'électricité à partir de Niagara Falls. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So you can see the power of flowing water. Donc vous pouvez voir la puissance d'une eau qui coule. This electricity is the power of flowing water in Canada. Cette électricité est la puissance de l'eau qui coule au Canada. Donc, if you put your hand near the socket and put your hand, you're gone. Si tu mets ton doigt dans la prise, eh bien, ça, tu es parti. Power coming from flowing water. La puissance qui vient de l'eau qui coule. Blessed be the name of the Lord. Amen. Think of the power flowing from the Almighty God Himself. Amen. Pense à la puissance qui vient de Dieu lui-même. Hallelujah. Hallelujah. Let the redeemed of the Lord say so. Que les rachetés de l'Éternel le disent. If God has saved you from sin, say it. Si Dieu t'a délivré du péché, dis-le. My sins are forgiven. Mes péchés me sont pardonnés. Amen. Say it all the time. Dis-le tout le temps. If the devil makes you keep falling in and out of sin, si le diable te fait chuter, stand up one day and say, wait a minute, my sins are forgiven. Si tu fais chuter de temps en temps dans le péché, il faut dire, tu te tiens debout, tu dis, mais mes péchés me sont pardonnés. And sin shall not have dominion over me. Et le péché ne doit pas avoir de dominion. Romans chapter 6, verse 11. Romains chapitre 6, verset 11. He says, sin shall not have dominion over me. Il dit, le péché ne doit pas dominer sur nous. Amen. Amen. Sing it all the time. Chante-le tout le temps. When you say what has been done for you by the Lord Jesus on the cross, when you say it, your well flows and it flushes out all of the enemy and his works. Quand tu dis ce que Jésus a fait pour toi à la croix, la source d'eau vient de ton sein et jaillit et dégage toutes les difficultés devant toi. As Christians, let me show you one little secret of being filled with the Holy Ghost. En tant que chrétien, je vais vous montrer un petit secret pour comment vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Amen. Remember, running water is the Holy Spirit. Rappelez-vous, l'eau qui coule est le Saint-Esprit. But this is how to get Holy Spirit running water into your life anytime, any day, whenever you want. Et voici comment il faut avoir le Saint-Esprit qui vient sur toi tous les jours quand tu le veux. Turn to Ephesians chapter 5, verse 19. Ephésiens chapitre 5, verset 19. Hallelujah. Mm. Ephesians chapter 5, verse 19. Ephésiens chapitre 5, verset 19. Start to read it from verse 17. Je lis à partir du verset 17. But where we are going is verse 19. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 19. Amen. Amen. Je lis. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes,
par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. 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 The Psalm of David says, be not drunk with wine, but be filled with the Holy Ghost. Les psaumes disent, ne soyez pas enivrés de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Be filled with the Spirit. Soyez remplis de l'Esprit. Amen. Be filled with the Spirit. Soyez remplis de l'Esprit. How? Comment? Verse 19, let's read it together. I want you to read it. This is how you get filled with the Spirit. Voici comment on reçoit, comment on est rempli du Saint-Esprit. On va le lire ensemble, le verset 19. Verse 19, one, go. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. And we say amen. 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 He said you to be filled with the Spirit, to get your well, to start running with the Spirit. Sing to yourself, sing psalms, hymns, spiritual songs. He said sing and make melody in your heart to the Lord. Il dit pour pouvoir avoir la source qui en nous jaillit, il faudrait chanter des cantiques, des hymnes, des cantiques spirituels et faisant des mélodies pour le Seigneur. Amen. Hallelujah. Amen. When the devil comes to threaten you, quand le diable vient pour t'affaiblir, and then he puts a lot of obstacles before you, il vient pour te faire peur et il met beaucoup d'obstacles devant toi, and you begin to sing, et tu commences à chanter. Ah, Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Oh, ah, Lord God, thou hast made the heaven and the earth with thy outstretched arms. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Oh, great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. And you begin to sing it. Et tu commences à le chanter. Before long, très très bientôt donc, anointing from your well will well up and be flowing. Et une onction va commencer à sortir de ton sein pour couler. When it begins to flow, et quand cela commence à couler, no matter how impossible the situation is, quelle que soit la situation aussi difficile, it will be swept away. Cela va être dégagé. And by the time you stop singing, the problem and obstacle is no longer there. Et par le temps que tu arrêtes même de chanter, le problème et l'obstacle n'est plus là. Blessed be the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. This is the easiest way for Christians to be filled with the Spirit. Voici la manière la plus simple pour les chrétiens d'être remplis. Sing to the well. Chante au puits. Hallelujah. Amen. We must begin to say the things that are done for us in the Word of God. Let that come out through your mouth. Nous devons commencer à dire les choses qui nous ont été données comme promesses par la parole de Dieu. Nous devons les dire de notre bouche. Mark chapter 11, verse 23 and 24. Marc chapitre 11, le verset 22 et 23. Jesus said, Jésus dit, whosoever shall say to this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass, he shall have whatsoever he says. Tout ce que vous direz, si vous direz à cette montagne de sauter et de se jeter dans la mer, quel que soit ce que vous allez dire, cette montagne va le faire. Si vous n'avez pas la foi, si vous avez la foi que vous ne doutez pas, cette montagne va aller se jeter dans la mer. We must learn not to use our mouth wrongly. Nous devons apprendre à ne pas utiliser notre bouche de façon inappropriée. The reason many Christians feel dry. La raison pour laquelle les chrétiens se sentent asséchés, and they are not feeling the presence of God at all, et ils ne sentent pas la présence de Dieu du tout, is that they talk too much. C'est qu'ils parlent trop. When I mean talk too much, quand je dis parler trop, they say every negative thing and everything outside of the word of God. Ils disent tout ce qui est négatif et tout ce qui est contraire à la volonté, à la parole de Dieu. And you meet a typical Christian. Tu croises un chrétien. After high, high,
Après t'as salué, bonjour, bonjour. Oh, do you know what is happening in the United States? Donald Trump and Hillary Clinton and they will talk and talk everything apart from the word of God. Oh, tu vois ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Donald Trump et puis Clinton, Hillary Clinton, ils vont parler de tout et de rien sans même parler de la parole de Dieu. Before long, they will become dry. Et à un moment donné, ils vont devenir totally dry. Totalement sèche. Sèche. Because the well is not flowing anymore. Parce que le puits ne coule plus. The well is sitting down there. Le puits est assis là. And before long, because the well is not flowing, et avant que pour pendant un moment, you will say, hey, comme le puits ne coule pas, hey, am I a Christian? Really? Est-ce que je suis vraiment un chrétien? Do I have the Holy Ghost at all? Est-ce que j'ai vraiment le Saint-Esprit? I'm not feeling anything. Je ne sens rien. The reason you are not feeling anything is because of your mouth. La raison pour laquelle tu ne sens rien, c'est à cause de ta bouche. Sing to the well. Chante au puits. Amen. Amen. Please let us learn to do this at all times. S'il vous plaît, apprenons à le faire tout le temps. One day the Lord came to me and said, un jour le Seigneur est venu à moi et me dit, because I will meet some of my colleagues and we will argue. Argument. Je croise un de mes collègues et nous mettons à discuter. And when they have left, I will feel empty, so dry. Et quand il me quitte, je me sens vide, je suis asséché. I will say, the Holy Spirit left me. Ah, mais le Saint-Esprit m'a abandonné. Hey, Lord, what did I do? What happened? Ah, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? I'll go and fast. Et je vais, je jeûne. I'll go and pray. Et je vais, je prie. One day the Lord came to me and said, you are spending a lot of time fasting and praying. The problem is that you embark on argument. Don't argue. Une fois le Seigneur venu me dit, tu te fatigues à jeûner, à prier, ce n'est pas la solution. C'est parce que tu te mets trop à discuter, à parler. Arrête de discuter. Anytime you talk, a river is flowing. Tout le temps que tu parles, quand tu parles, le puits coule. Remember that there is a well in your soul. Rappelle-toi qu'il y a un puits dans ton âme. Not the well of God. Pas le puits de Dieu. The well of God of Christ is in your spirit man. Le puits de Dieu se trouve dans ton homme esprit. But there's a well in your soul as well. Mais il y a aussi un puits dans ton homme, dans ton âme. And that well is full of dark waters. Et ce puits est plein d'eau sale. It's full of carnality. Est plein de la chair. It's full of sin. Plein de péché, is full of criticisms, est plein de critiques, is full of condemnation, est plein de la condamnation, is full of all kinds of things of the world, est plein de toutes sortes de choses qui se trouvent dans le monde, in your soul, dans ton âme. And both wells come out through the mouth. Et ces deux puits viennent de la sorte de la bouche. And it is the well that flows out that rules your environment. Et c'est le puits qui sort de la bouche qui gère ton environnement. If the soul, the well from your soul is always flowing out through argument, through criticism, through condemnation. Hey. Si le puits de ton âme, c'est cela seulement qui ne fait que sortir de ta bouche, et la condamnation, les critiques, les discussions, les disputes. That would be what is ruling your environment. C'est ce qui va donc gérer ton environnement. I feel I should emphasize this. I sense it in my spirit. Je sens dans mon esprit qu'il faut que je donne plus d'attention à. The men folks have a problem. The men have a problem. Les hommes ont des problèmes. In their soul, it's sports. Dans leur âme, il y a des déchets. Sports. Football. Olympics and name it. Dans leur âme, il y a des sports. Football, Olympique, toutes sortes de sports. And when they meet each other, hey, Alexine, how you doing? Ah, did you watch Olympics? Did you see this one? Did you see that one? And they talk politics. And if they are not talking about that, they are talking about the economy. Ah, oh boy, this money is too much. There is no money. This is one, that one.